Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée législative de transition. Une cérémonie solennelle qui a vu la présence du chef du gouvernement. Autrement appelée session des lois, cette session permettra aux projets de loi et propositions d'être examinés. Le président de l'Assemblée législative de transition et ses collaborateurs entendent œuvrer pour conduire à bon port la destinée du Burkina Faso qui semble être menacée sur tous les plans. Oui. Notre passage à l'hémicycle s'effectue dans un contexte tout spécial et à un moment décisif de notre histoire. Aussi, convient-il de tout mettre en œuvre pour jouer pleinement notre mission, à savoir contribuer à la refondation de l'État burkinabé à travers une action parlementaire audacieuse, résolument orientée vers l'intérêt supérieur des populations burkinabées. Cette transition se donne également pour mission la refondation de l'État. Notre pays a besoin définitivement d'asseoir des institutions fortes et équilibrées, gardes de stabilité et d'enrichissement de notre jeune démocratie. La lutte contre l'insécurité, qui gangrène sérieusement notre vivre ensemble et ses corollaires de crise humanitaire aiguë, interpelle doublement le pouvoir législatif. Notre mission au cours de cette transition législative comportera, je le souhaite, des moments dans lesquels nous discuterons de propositions de loi dont l'initiative proviendrait de nos illustres députés. Nous devrions, par le truchement des pouvoirs qui nous sont dévolus et avec beaucoup de hauteur, initier des propositions de loi ambitieuses pour corriger les déséquilibres créés par nous-mêmes dans notre pays, qui continuent d'être les causes structurelles de notre sous-développement. Un clin d'œil aux politiques afin que ceux-ci redessinent une façon d'être politique. Si nous devons saluer l'œuvre des pères de notre indépendance, nous devons aussi reconnaître que c'est le comportement des acteurs politiques à tous les niveaux qui nous plonge bien sûr dans la situation actuelle. Je dois rappeler que ce pays vit une instabilité politique pratiquement tous les 4 ans et qu'aucun développement crédible ne peut se faire dans l'instabilité politique. Je formule le vœu que chacun de nous, par son comportement au quotidien, soit un exemple empreint de modestie, d'humilité, d'engagement au travail et de patriotisme. La situation difficile que traverse le Burkina Faso interpelle tous. Ce discours vient à point nommé rassurer le citoyen lambda. Pour les députés, il prend en compte tous les aspects de ce pays. Je crois que dans le discours d'ouverture, le président a planté le décor. Le président a dit l'essentiel. Hein. Nous avons un État aujourd'hui à réformer, nous avons une administration à réformer, nous avons des institutions à réformer. Et c'était l'essentiel du discours du président. Notre rôle aujourd'hui en tant que membre de l'ALT, c'est de contrôler d'abord l'action du gouvernement, c'est de proposer des lois où tous les Burkinabés se sentiront dans ces projets de loi. Je crois que le président a planté le décor. Nous avons une instabilité politique pratiquement chaque 4 ans. C'est de travailler à asseoir des institutions fortes afin de mettre fin à toute cette instabilité politique que notre pays connaît. À l'endroit des amis du Burkina Faso, un appel est lancé afin que se poursuivent les différentes coopérations déjà entamées. Ainsi, les députés sont tous invités à se rendre disponibles pour les différents travaux à venir.